So what exactly happened on the day the police came into your house? I don't know what happened when they just busted into the apartment and arrested me. Are you Tommy? Who's asking? Oh, you must forgive Tommy. He's quite antisocial. First of all, even when Danny told about the secret, I was against it. It hurts to talk. Why does it hurt? Do you know where you are? No. This is a hospital, and I am your doctor. Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur une personne qui a inspiré un film que vous connaissez sûrement qui s'appelle Split. Parce que effectivement, cette personne a vraiment existé à l'époque, dans les années 60, et elle avait bel et bien 24 personnalités. Aujourd'hui, on va vous parler de Billy Milligan, qui d'ailleurs est une affaire qu'on nous a suggérée. Et il faut savoir que c'est la première affaire des États-Unis où une personne a été innocentée de crimes graves suite à des troubles mentaux. William Stanley Milligan est un homme qui est né le 14 février 1955 à Miami et il se fait appeler Billy. Après sa naissance, sa mère Dorothy ainsi que son père vont se séparer et à l'âge de 1 mois seulement, il va manquer de mourir à cause d'une tumeur à l'œsophage. Avant ses 4 ans, sa mère décide de déménager et son père, lui, de se suicider. Dorothy va se remarier avec un homme qui lui est instable psychologiquement et qui va commencer à abuser de Billy à l'âge de à peine 8 ans en 1963. Et Billy, lui, dès son jeune âge, va tout de suite commencer à développer des troubles dissociatifs de la personnalité. Billy aura une discontinuité de l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, de l'émotion, de la perception, de la représentation de son corps et aussi de son comportement. Lorsque Billy aura 15 ans, il va être interné dans un hôpital psychiatrique, le Columbus State Hospital. Il va être là-bas à cause d'un diagnostic de névrose hystérique avec des comportements passifs-agressifs. Un an plus tard, lorsqu'il a 16 ans, il va tenter de se suicider, mais les personnalités qui donc sont dans sa tête vont être plus fortes que ça et vont le convaincre en fait de rester en vie, donc que son corps reste en vie. Ça va être un petit peu compliqué à suivre, je pense. Pour faire simple, les 23 autres personnalités qui sont dans sa tête, elles ne veulent pas mourir, donc elles vont faire en sorte que Billy reste en vie. La maladie de Billy est identifiée comme un trouble dissociatif de l'identité, sauf que son cas est extrêmement rare, je ne sais même pas si ça a déjà été connu ailleurs, étant donné que d'habitude, dans cette maladie, les personnes ont deux personnalités, Billy, lui, a Billy, et en a 23 autres. On précise quand même que sur ces 24 personnalités, vous le savez en avance, mais lui ne l'a su que relativement tard, et la justice et même les médecins vont le savoir relativement tard. Nous on vous explique parce que on le sait, ce sera plus simple pour vous, mais vous verrez par la suite que ce sera vraiment diagnostiqué bien plus tard lors d'un procès. Il faut savoir que sur ces 24 personnalités, 10 étaient relativement basiques, et les 14 autres, elles, sont sévèrement réprimées pour comportement immoral. Les premiers signes de sa maladie vont arriver très tôt dans l'enfance, à l'âge de 3-4 ans seulement. L'un des symptômes de cette maladie est l'amnésie dissociative, ce qui fait que Billy a souvent tendance à oublier ce qu'il fait, et il a souvent l'impression d'être dans la lune. Enfin, il donne l'impression d'être souvent dans la lune, et d'être absent. Et à l'âge de 4 ans seulement, Billy a déjà deux personnalités, en plus de la sienne. La première, elle s'appelle Kristen, qui est une petite fille dyslexique qui apparaît généralement quand Billy se fait gronder ou punir. La deuxième personne s'appelle Sean, qui est un petit garçon de 4 ans qui est sourd et qui émet des ronronnements comme pour prévenir des vibrations dans son crâne. Et les événements de sa vie vont faire que par la suite, il va avoir d'autres personnalités qui vont s'installer au fur et à mesure dans sa vie. Et évidemment, en plus des nouvelles personnalités, c'est également d'autres obsessions qui vont arriver au fur et à mesure.
Une autre des personnalités de Billy est un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Danny et qui aime peindre des natures mortes. Il apparaîtra au moment où le beau-père de Billy va commencer à le battre. Plus Billy va grandir, plus de personnalités vont apparaître, comme il vous l'a dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne seront pas forcément des mêmes villes ou des mêmes pays, elles n'auront pas non plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, c'est vraiment ça qui caractérise la maladie de Billy, c'est que toutes les personnalités qu'il a dans sa tête sont vraiment des personnalités ultra différentes. Je vais vous faire une petite liste de ce qu'on a retrouvé dans les recherches. Il y en a un qui s'appelle Christopher qui a 13 ans, c'est le frère de Kristen, on vous en a parlé un petit peu plus tôt. Un autre, j'arriverai pas à prononcer son nom, mais c'est Redzen Vadaskovinic, 23 ans, c'est un communiste yougoslave qui est doté d'une force incroyable et qui parle le serbo-croate. Ensuite, on a Arthur qui a 22 ans, lui vient de Londres. Il parle et écrit aussi couramment l'arabe. Oh, you must forgive Tommy. He's quite antisocial. Ensuite, on a Andala qui est une lesbienne de 19 ans qui aspirait à la proximité et qui pousse Billy à violer des gens. On va y revenir après. Why does it hurt? Et enfin, on a Philic qui, lui, au contraire, est homophobe. Donc c'est vraiment pour dire que elles sont toutes distinctes. Et apparemment, les personnalités de Billy seraient elles-mêmes conscientes qu'elles existent les unes avec les autres, et elles auraient aussi établi une sorte de code qui réside en 5 règles. Les 5 règles seraient ne pas dire de mensonges, ne pas faire de violence aux femmes et aux enfants. Elle resterait aussi chaste et active intellectuellement, c'est-à-dire que chaque personnalité aurait ses centres d'intérêt pour grandir ses connaissances. Et enfin, la dernière règle est qu'aucune personnalité doit voler à une autre personnalité. Billy aura des problèmes avec la police dès son adolescence et sera arrêté pour la première fois à l'âge de 17 ans seulement. Billy a fait énormément de choses qui ne sont vraiment pas bien dans sa vie. Il a commis des vols à main armée, il a fait des agressions, il a volé des personnes, il en a violé également. Il a volé des médicaments, fait des vols à main armée et des agressions sur des aires d'autoroute en Californie et également dans l'Ohio. Ensuite, il aurait aussi violé deux prostituées. En 1975, Billy a été incarcéré dans un centre correctionnel de l'Ohio pour les personnes qui violent d'autres personnes, ainsi que les vols à main armée. Et c'est en 1977 qu'il a été libéré sous condition. Et c'est quelques mois plus tard que le plus grave de tous ces actes a été commis, puisque le 27 octobre 1977, il a agressé et violé trois jeunes étudiantes de l'Ohio State University. Il a été identifié grâce à l'une des victimes qu'il a reconnue, ainsi que des empreintes qu'il aurait laissées sur l'une des voitures d'une autre victime. Il a utilisé une arme qui a été trouvée dans sa résidence lors d'une perquisition et a donc été privé d'une libération conditionnelle. Au départ, il a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'enlèvement, 3 chefs d'accusation de vol et 4 chefs d'accusation de violence. Lors de son procès, il a été suivi par un psychiatre et a eu un examen psychologique effectué par le docteur Willis K. Discroll. Et au départ, il a seulement été diagnostiqué d'une schizophrénie aiguë. Ensuite, il fera l'objet de recherches pour la psychologue Dorothy Turner. Et c'est seulement au cours de ses recherches, donc que maintenant, que cette psychologue va se rendre compte que Billy souffre de troubles de personnalité multiples. Lors de son procès pour ses crimes, ses avocats Gary Schweikart et Judy Stevenson vont plaider la folie. Et c'est suite à ça qu'il a été transféré dans une clinique psychiatrique jusqu'à ce que son état normal revienne. Il ira donc à l'Athens Crazy House où il va pas avoir beaucoup d'aide, mais il va lui dire qu'il a 10 personnalités en plus de la sienne, donc il va pas dire les 24, il va juste dire qu'il en a 10. Donc ces 10 personnalités étaient les seules connues par les psychologues jusqu'à ce qu'un nouveau psychiatre lui refasse faire des tests et des examens. Il s'appelle David Cola et lui va se rendre compte des 14 autres qui étaient qualifiés comme indésirables. Billy, suite à cette thérapie, va user d'un stratagème et en fait il va combiner toutes ses personnalités en une seule. Cette personnalité va s'appeler Maestro et ben, comme je viens de le dire, c'était juste, enfin, elle était juste là comme stratagème histoire qu'il puisse garder l'intégrité des autres.
Mais évidemment, le procès va lui peser dessus, il va y avoir énormément de pression et de tension, donc Maestro va se désintégrer et les 23 autres vont ressurgir. Après 10 ans dans différents hôpitaux psychiatriques, Billy va être relâché en 1988. Il a été disculpé par le système de santé mentale de l'Ohio et les tribunaux de l'Ohio le 1er août 1991. Et comme on l'a dit tout au début, il sera jugé non coupable de ses crimes à cause de sa maladie, donc pour cause de troubles dissociatifs de l'identité. En 1996, il vivait en Californie et il a créé le Stormy Life Productions, donc c'est une production de vidéos où il comptait faire un court-métrage, mais apparemment il n'a jamais été fait. Mais le 12 décembre 2014, lorsque Billy aura 59 ans, il va mourir d'un cancer dans une maison de retraite à Columbus, dans l'Ohio. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo qui, on pense, a été assez courte, mais qui valait le coup d'être faite. Car effectivement, une personne qui a plus de 24 personnalités lors d'un trouble dissociatif de l'identité, c'est vraiment extrêmement rare. D'ailleurs, il ne semble pas qu'à ma connaissance, il y a une autre personne qui en ait eu autant. Comme on vous l'a dit dans l'introduction, vous pouvez aller voir le film Split qui retrace, entre gros guillemets, l'histoire de Billy Milligan, mais si jamais vous voulez vous faire un petit kiff et voir un film, on vous le conseille. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si notre travail vous plaît, etc., n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et de partager la vidéo, ça nous aide grandement. C'était Murders Explained et à mercredi.